Salut tout le monde et bienvenue en ce début d'épisode 3. Et ben vous voyez qu'on a déménagé du coup, hein, on a fait autre chose. On est ici. Bon, j'ai tamé ça, ça sert un peu à rien. Voilà, on va faire une base sous-marine, on va voir comment ça va se passer cette fois-ci. Bon, on en est qu'au début, hein. On en est vraiment qu'au début. Donc maintenant, il va falloir tout aménager, tout refaire. En espérant tenir un peu plus longtemps que la première fois, parce que ça a été quand même rapide. Et à ne pas se faire attaquer par des mecs qu'on ne peut pas tuer, ça serait intéressant aussi. En gros, c'est le début de l'épisode. Je sais pas dans quelle direction on va partir, mais on va y aller tout droit en tout cas. Donc restez accrochés. Et restez ici. Merci à vous de vous être abonnés. Ça fait plaisir. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est bisous. Vous voyez que ça a un peu changé depuis la dernière fois. Ouais, ils ont pas mal bossé pendant la nuit. Donc on va faire un petit tour de la base. Vous voyez que c'est une base sous-marine. Voilà, ils ont un petit peu avancé ici. Ici aussi, ils ont un petit peu avancé. Ça, c'est vraiment la base, le QG. Comme on dit, le QG. Franchement, ils ont fait un taf de malade cette nuit. Vraiment, un taf de fou furieux. Et est-ce que vous êtes prêts à voir cette base? Dites oui en commentaire. Oui, on veut voir la base. La base ressemble tout bonnement à ça. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Donc là, il y a un pod central qui protège bah, à peu près toute la base. Il y a plein de petites tourelles un peu partout à droite à gauche sur des plateformes. Là, il y a un Mosasaur avec une armure tech qui tire des missiles. Hein, tout simplement, je vais vous montrer. Hein. Pas que vous soyez frustrés dans cette vidéo. Voilà, missile. Il y a ça. Là, en ce moment, on est en train de faire des tuzos. Donc ici, c'est des tuzos. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être pour protéger la base. Et ici, il y a une salle de breeding, de reproduction et tout ça. Donc on a des bons trucs pour raid, hein. On commence à avoir du bon matos quand même. Oui, le matos c'est les dinosaures, alors je vais vous montrer ça. De toute façon vous les verrez en raid, on va pas tarder à attaquer. Là il y a pas mal de trucs, hein. C'est un peu le dawa, mais il y a pas mal de trucs. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à aller sur le serveur, à aller checker les bases raidables, attaquables. On va voir un petit peu les points forts, les points faibles de chaque base, en off entre nous. Et on va décider de raid. Et là ça y est, le moment tant attendu, de très gros raid va commencer. Voilà, en gros on en est là, on est content. On est content. C'est la guerre! Moi j'ai les grappins. Non, on me dit pas que. Oui. Allons-y! Ce sera le premier à mourir s'il se connecte. Et bam! Allez, je vous motive! Allez au front! Voilà la base visée. C'est plutôt costaud, hein. En vrai, c'est plutôt costaud. Moi je vous dis un truc comme ça, je sais pas faire. Hein. Donc heureusement qu'on est en team. Hein. Heureusement qu'on est en team. Parce que là. Bah on va pouvoir attaquer tous ensemble avec une connaissance de... Aïe, je me suis fait tirer dessus. Par quoi? Par les tourelles. Mais... on dirait une colonie de vacances. Tu veux combien de fenêtres? 4. 4, 6 toits. Là, tu es en train de préparer le pod pour nous défendre, c'est ça? Pour avoir une position safe. C'est ça, pour être cover. Ouais. Donc en gros, là, l'idée, c'est que nous, on va attaquer d'ici. Ça, c'est la base, notre base. Où en gros, ici, on sera safe parce qu'il y aura des tourelles, il y aura tout ça. Et on va attaquer ce machin là-bas. Hein. Voilà, tout simplement. Ça va fonctionner comme ça. Hein. Voilà. Du coup, il n'y a plus qu'à venir avec le U, les boosts et je les envoie. Mais c'est bon, et vous avez pas de... Avance, stop. Stop. Pas trop vite. Recule. Je fais le cri, je peux pas. Voilà. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète. Là j'en ai envoyé deux pour pas faire crash le cerf. Et là je vais envoyer la sauce. Ouais, celle d'en haut elle tire pas. Hein. Oui, c'est normal. Si, il y a quelques anti-aériens, il y a des heavy qui tapent. Ouais. Attends, on les cible pas. Okay. Vas-y, buff. Vas-y, si je te les envoie. Tu les envoies? C'est parti. Et ceux-là ils ont 134 000 PV, c'est ça? Ouais, ils sont les 194 points en méta. Mais là, je suis trop loin là, faut que je m'avance, hein. Les autres ils ont plus le buff. Tu vas te faire chier. Y'a pas besoin de les buffs, les autres. Vas-y. La buff, et après tu vas pouvoir les envoyer. Putain, t'en sacrifies masse. Ouais, ça se trouve, ils vont même pas mourir. Ouais, c'est vrai. Vous vous attendiez à un raid facile? Je vous rappelle qu'on est dans Arc. Eh oui, très exactement 8 minutes et 10 secondes après le début du raid. Voilà ce qui se passe. Arc. Ça va, Rex, y'a rien à la base?
C'était un satyre à la base, hein. C'est vrai. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Mais d'où, putain ? J'y vais, hein. Je vais aller voir, il y a quelqu'un qui a pris le volet. Juste aller checker. Mais tu sors de la base, tu vas à gauche, tu vas voir. Ah oui, non, ça tire carrément. Lord, t'as un pistolet ? Ouais. Regarde. Vas-y, j'arrive. Là, je récupère le stuff de Steve. Les tuyaux et tout, ouais, récupère le stuff. Il y a une armée de tuyaux. Faudrait que tu... D'accord, on se fait attaquer, quoi. C'est la merde. C'est la guerre, encore une fois. C'est le bordel. C'est incroyable. Essaye de me grab. Tu veux pas lui envoyer un tuzu, là ? Bah, si agressif. Tu veux, envoie-lui dessus. Attends, vas-y, siffle, toi. Moi, j'ose pas trop siffler. Tu veux siffler en agressif ? Bah, son tuzu, il a 230 000 HP. Hein. Bon, il a perdu 100 000 HP, là, quasiment. Oh, j'ai mis un... Et ils utilisent le transmis, hein. Ça TP des trucs. Hein. Tout est en agressif, ça envoie sur moi. Bon, c'est la crise. Il m'aggrabe. C'est à eux, ça, là, tout ce qu'il y a sur la base. Je suis mort, hein. Je comprends rien, ce jeu. Ah si, c'est bon, c'est passé. Okay. Moi j'ai mis 1 million de balles. Moi j'en ai mis j'en ai mis beaucoup. Bon, aussi. Elles ont plus que quand ils sont venus la première fois. Ouais. Ouais. Ils vont rien comprendre à leur vie. Maintenant, mais je pense qu'ils ont utilisé le transmis, ils ont give up. Ok, c'est bon. Et c'est bien parce que du coup j'ai vu par où ils ont attaqué. Ben là, ben, on va faire tour Montparnasse. Hein. Ils sont partis ? Ouais, ben oui, c'est sûr, ils ont give up. Ah non, il y a encore des trucs, hein. Ils ont mis parce un boubou. Ils s'étaient mis juste à côté. Ils ont mis le boubou, tu peux placer toutes les carbos. Ah, faut que je m'aille me chercher un truc. Et sacrio. Sacrio, ça se n'achève. Et tapette. En tout cas, bien joué, Rex. Nous. Ouais, bien joué. Parce que là, certes, on allait éclater l'autre, mais notre base est plus importante. Ouais, grave. Et c'est pour ça que je voulais faire masse dino en agressif, parce que ils auraient été obligés de les tuer et ça nous l'aurait dit, tu vois. T'es sérieux, quoi, on était en train de faire raid tranquille et on se fait agresser dans le dos, quoi. Pas grave, on ira raid après. Mais ça veut dire qu'il y a le... T'as pas laissé le lieu, par contre, Tog? Ah putain, mais on peut pas les... Moi, je me suis barré, j'ai ah ouais, il y a tout là-bas. Et... T'inquiète. Bah, les trikes, c'est pas grave, mais... Y a rien qui est mort. Ah... Allez, avance. Avance, tortue. Celle-là, bien sûr. On sait pas qui t'es capé. Si, tu l'as tué, toi, Néo. Appartient à Seeker. Seeker. Ça me dit quelque chose, ça, Seeker. Attends, tu peux regarder la hatch frame. Je crois que 9600. 9600. Vas-y, je crois que je peux la péter comme ça. Pourquoi j'ai une carbo qui est dans leur base? On s'est invité. Et la force est là, c'est le jeu. Est-ce que je touche, moi, les gars? Ah, mais il y a un trou là-bas. Moi, je sais que je touche, mais... Je sais pas sur quoi tu tiens, Lord. Je vois pas. Bah, sur leur phobe, je crois. Non, en fait, il y a un trou dans la base. Ah ouais? Lord, t'es où? Ouais. Faudrait que tu te mettes à côté de toi si tu veux toucher. Là, le problème, c'est que je... Ouais, là, tu... Ouais, là, ça... Y a un... Ouais. Oh, ouais, vas-y. Tu prends cher sur ton Moza ou pas? Bah, j'ai que 100k PV, quoi. Et là, il te reste 100k? Bah, ouais. Faudrait que tu fasses un petit aller-retour au-dessus. Un petit rapidement ou pas rapidement? Ouais, genre, tu passes au-dessus, tu fais demi-tour, tu t'en vas. C'est bon? Bah, je suis là, hein, je suis en train. Sauf que... Je suis à l'intérieur. Ok, easy Bob. Ouais. En vrai, j'ai rien pris. Hein. C'est bon, là. Je vais péter le gêné et puis ça sera terminé. Vas-y. Ça a pas cassé? Il a pris zéro dégâts, le truc tech. T'es rentré par où? T'es rentré par où, Steve? L'autre, je te l'ai dit. Que les trucs tech. Rentré par à droite de la base, il y a un petit trou. Et ça craint pas, je peux venir? Il faut juste que je refais un passage. Suis-moi, Dog. Waouh. Il est passé dedans, toi.
putain, la tortue quoi. Attends, mais la tortue elle va me tuer là. Non, c'est la nôtre, c'est la nôtre. Ouais, je sais, mais elle tourne en rond. C'est down. C'est down. C'est down. Ouais. C'est bon. Vous voulez que je casse tout ou pas? Putain. Ah, go péter leur pop d'armes. Ah bah non. Ah non, mais c'est les damages de l'orme. Moi je vois R. Ah non, tu fais des gros dégâts, tu fais des gros dégâts. Normalement, c'est plus puissant que votre truc. Ah, y'a moins. Ah, c'est sûr. Je vais respirer les carbos. C'est cassé! Bon, écoutez, dans cette bonne ambiance de guerre mondiale, on va s'arrêter ici. Je pense que cet épisode était bien plus rempli que prévu. On a attaqué, on s'est fait counter-raid. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent sur Ark. On s'en est bien sorti. Moi, je suis mort, hein. Bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Touche tout le monde.